balobi mama mardi ne mama mardi ne balobi shop Africa Union mais quand t'es qu'un nyonso biloko ya ya wali ni yoko mwore oni dinde ko la yo a sali sa yote bona korea na yo moko ma bonde la yo bona mtoto na yo moko ya elei moko ma bonde la yo balobi bio bio Africa Union et quand t'es qu'un tout à quoi n'a pas si moi si non voye pas ya dino voye ya ni Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro, mais avec la même personne. Je parle de Mike Moukébaye, honorable député. On parle avec lui sur la question de quelques points, je vous ai dit deux, trois points. On tournera autour de ce qui est dit maintenant sur lui, sur le tribalisme, la vidéo que vous avez vue, vous avez tous suivi d'ailleurs, mais aussi sur le perspective. Qu'est-ce qui va se passer après, finalement? Est-ce qu'il y a une volonté de se mettre ensemble au-delà de ce clivage? Est-ce qu'il y a nécessité de voir ailleurs? On parlera aussi de la responsabilité, bien évidemment, des acteurs politiques devant cette menace de la fragilité de notre unité nationale. Mike Moukébaye Nkosso, bonjour. Bonjour Christian Boussembe. Il se passe des choses assez surprenantes. On va dire d'abord, les gens disent, vous avez eu peur de menaces de Madame Olive, et disons des menaces de M. Goudepoï, et vous avez demandé de l'aide à l'ancienne première dame de vous aider et de parler en votre faveur. Ouais. Alors tout de suite on se dit, mais c'est Mike Moukébaye qui a fait deux fois la prison, va avoir peur d'une menace. Alors il faut y aller, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne viens pas pour répondre à quelqu'un, à Yves Guyat ou à tel, non. Mais j'ai décidé de tordre le cou au mensonge. Il s'agit de ma dignité et je suis encore en vie. J'ai l'intelligence et la force pour la préserver et la défendre. Je ne peux pas laisser les gens de dire n'importe quoi sur moi. Il a par exemple été dit, j'ai entendu ici, que j'ai reçu l'argent de beaucoup de sources. Tantôt Katumbi, tantôt Félix Tshisekedi et même François Béat. Je suis étonné. Alors je constate que dans ce que j'ai dit, il y a une ou deux choses qui ont été relayées par le jeune militant décidé. Exemple, j'ai dit qu'Eli Sanga, ce n'était pas le bon profil pour qu'il soit là. Et surtout pas qu'il porte le plaidoyer du plan de sortie de crise. Mais j'ai entendu, mercredi dernier, à Faden House, j'ai vu des vidéos où les jeunes décidés ont répété la même chose que moi. Ont dénoncé cette errance d'Eli Sanga d'aller d'un camp à un autre. Infiniment, ils l'ont dénoncé. Et ces jeunes-là, ils sont payés par qui? Qui les a corrompus pour les dire? Encore Katumbi, il a finalement vraiment le bras long, Katumbi. Hein? Je l'ai entendu, Martin Fayoulou n'a pas entendu dans son propre parti ce qui est impropre pour son parti. Que les jeunes de son parti ne veulent pas consommer, il nous l'amène à la Mouka. Et quand Moukébaye les dénonce, c'est un problème. Katumbi est derrière lui. Mais qu'est-ce que vous reprochez exactement à Isanga Bungangaba avant non, d'avancer? Non, non, non. Qu'il revienne à la Mouka, d'accord. Oui. Mais que Martin Fall le conflit des responsabilités importantes, je ne dis pas d'accord. Mais il n'est pas venu pour faire des yeux doux. Non, c'est un intrus. Il nous a rejoint bien plus tard. Mais la lutte, c'est toujours comme ça. Oui, elle est comme si la lutte était ainsi. Quand il y a confié de responsabilités, vous confiez au pionnier qui était avec vous, là, ou vous confiez à un ouvrier de la 25e. Vous n'avez pas le même aura, tout le monde n'a pas le... Non, non, mais on ne parle pas d'aura, je ne vois pas en termes d'aura, quelle est l'aura aujourd'hui d'Eli Sanga à Bungangaba. Déjà, excuse-moi, dans ces élections, certains ont dit qu'elles n'étaient pas justes et transparentes, mais en tout cas, Eli Sanga était candidat et il n'est pas passé.
Je ne parle pas d'aura. Donc, mais j'ai entendu les jeunes décider. Relayer ce que j'ai dit. Le répéter. Martin Fall l'a-t-il entendu? Les gens, ils ne sont pas sincères dans leur combat. On vous dit des choses vraies. Non, Moukeba, il s'en est pris à tel. Vous lâchez vos pitbulls. Quand je réponds, c'est un problème. J'ai entendu dire que si j'ai décidé un jour d'entrer en contradiction contre Caméré, c'est puisque, en fait, j'étais frustré. Une histoire de 3 millions de dollars. Qu'il ait touché 3 millions de dollars à Lomé auprès de Fornia Simbe et Adema et qu'il ne m'ait rien donné. Mais c'est archi faux. Mais ce qui est dommage, c'est que le journaliste laisse les gens parler sans leur poser de questions. Quand Caméré fait le déplacement pour Lomé, moi, je ne suis pas au courant. Personne n'est au courant, même pas son entourage immédiat. Moi, je suis en ce moment-là proche du rassemblement. Caméré est dans la logique du Kanchachi. Nous sommes en bruit. Donc, je n'ai pas le temps de savoir qu'il a reçu cet argent et de ressentir une frustration puisqu'il ne m'a pas donné à moi. Pourquoi il a été donné là? Attends, pourquoi d'ailleurs? C'est lui qui dit qu'il parle de ces 3 millions. C'est moi qui l'informe que Caméré avait touché 3 millions. C'est moi qui ai dit aux Congolais à Kinshasa que Caméré avait touché 3 millions à Lomé. Mais quand j'allais apprendre, Caméré est déjà rentré de Lomé depuis 2 mois. Je demande à la journaliste, au journaliste qui a interrogé, c'est lui qui a dit ça, de revenir. Il pose des questions sur des dates. Quand je porte cette information au Congolais, Caméré est de retour de Lomé depuis bien longtemps. Il a déjà loupé son poste de Premier ministre. Bien d'eau a coulé sur le pont. C'est archi faux. C'est lui qui l'a dit, c'est moi qui lui ai donné l'information. C'est moi qui ai donné cette information au Congolais. Mais bien longtemps après. Qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu? Ah, cette affaire d'Olive Lembe. Laissez cette femme tranquille, elle a droit à une vie de famille. J'ai fait la prison 2 fois. Ce n'est pas un mérite comme les autres pensent que quand tu as fait la prison, tu es le plus méritant, et de chez toi, les grands combattants. Non. Je pense que dans un état de droit, les gens ne peuvent faire la prison que s'ils ont commis des délits, des délinquants. Je n'ai pas été délinquant, j'ai fait de prison 2 fois pour des raisons politiques. J'ai dit, il ne faut plus que ça se répète. Je ne m'en flatte pas. Je ne suis pas là à aller tout le temps en prison, parce que ça prive ma famille de l'affection que me portent, ma femme, mes enfants, c'est dur. Hein? Je le sais. Hein? J'ai entendu des gens écrire dans un petit papier, moi, Moukeba, je suis en train de réclamer le nom de CNews, j'entends des gens crier, nous, on a l'habitude, c'est très dur, gars. Il faut faire très attention. Est-ce qu'ils ont, ont fait la prison? Ben alors, j'ai fait la prison 2 fois. La première fois, c'était très facile pour moi. Il m'avait été proposé de demander pardon pour éviter la prison. J'ai dit, j'ai l'affaire. La deuxième fois, pareil. Des pressions étaient exercées sur moi. Ma propre tante m'a envoyé un message qu'elle était disposée via un proche de voir Caméré. J'ai dit non. Alors, la troisième menace de prison, celle qui venait de quelques membres du bureau, elle était la plus grave pour que je craque et que je demande à un argument quelque part, à un quidam, d'aller voir maman au lit pour plaider mon cas. Ça, c'était très grave. Les 2 autres fois, je ne sais pas qui avait plaidé pour moi, j'ai quand même fait la prison 2 fois. Mais je voudrais revenir sur quelque chose de plus grave encore. Et ça, j'ai dit à Faden House. C'est devenu une officine de mensonges. Ce n'est pas normal. Quoi, de préparer des mensonges et de les mettre dans la bouche de jeunes. Comme quoi, Moukebaï est sorti de prison grâce à un pardon que Faul aurait négocié pour moi auprès de Godin Poy. Faux, archi faux. Je suis sorti de prison sur base à la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Tout le monde le sait, tous les Congolais, vous le savez. Mais oui, l'arrêt. Ce qui est terrible, c'est que vous voulez mentir, vous ne savez même pas mentir. Donc vous êtes amateur, même dans le mensonge. Il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 7 février. Cet arrêt est irrévocable, exécutoire immédiatement. Le fait que la cour d'appel de la Gombe ne l'a pas exécuté immédiatement, je suis aujourd'hui en procès, parce que je suis resté encore 2 mois en prison. Et ces 2 mois-là, vous poursuivez l'État pour... J'ai poursuivi l'État pour détention illégale. Oui. L'État congolais m'a gardé en prison contre son propre arrêt. C'est l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Il n'en a pas tenu compte. Ça devait être exécuté immédiatement. J'ai bénéficié d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été rendu. Vous avez entendu le juge Funga prendre position pour dire, il y a des gens, nous prenons un arrêt qui disent que celui-là va pourrir en prison, l'arrêt sera exécuté. Mais ce que ce maître maladroit du mensonge ne dise pas,
c'est que quand Martin Fayolle fait le pas vers Gordon Bouy, ce n'est pas moi qui le lui ai demandé. Mais il le fait pour vous. Il le fait pour moi, ce n'est pas moi. Je suis informé après coup par Lexus Legal. Le président a reçu le président Gordon Bouy. Et le président Gordon Bouy dit, si tu peux introduire un recours, il verra ce qu'il peut faire. Moi, je savais qu'à ce stade, Gordon Bouy ne pouvait plus rien faire. Le dossier était entre les mains des juges. Est-ce que le recours a été introduit? Attendez, attendez. Gordon Bouy n'avait fait que lever mes immunités. Mais j'étais poursuivi par une partie bien connue, par Molin de Sakho. Donc, ce n'est pas Gordon Bouy qui vous envoie en prison? Non, non, non. Gordon n'a fait que lever mes immunités. Il y a un problème de compréhension. Oui, de parce que dans le procédure, Gordon Bouy a Kangisa, Mike Mkuma. Bon, oui, puisqu'il a levé mes immunités. Oui. Mais ce n'est pas lui qui m'a poursuivi. C'est Molendo et l'autre, comment il s'appelle, Monateba qui m'ont poursuivi. Avec certains mêmes politiques derrière. Je ne suis plus là à faire ces procès-là, c'est déjà passé. C'est le deux qui me poursuivent. Donc Gordon, à ce stade, quand du moment qu'il a levé mes immunités, il ne peut plus rien faire. Mais il promet quand même quelque chose à Martin Fayoulou. Lexus me dit, j'appelle Nico Mahengue. J'ai dit, mais c'est pas sérieux. Je ne suis pas d'accord. Comment Martin Fayoulou peut prendre une initiative qui m'engage sans m'impliquer? Il n'a pas demandé mon avis. Il est là, il m'entendra, il m'entend quand je parle. Ce n'est pas normal. Même puisque je suis en prison et que j'ai besoin du soutien des autres, si j'ai dit non, on dira qu'il est orgueilleux, il pense qu'il peut se battre seul. J'ai dit oui, mais je ne suis pas sûr que cette démarche aboutira. Vous n'en êtes pas sûr. Hein? Pour telle raison. Mais j'ai fait quand même un recours. Un recours ordinaire. Un recours administratif, comme on le fait. Un recours gracieux. J'avais déjà fait un recours en septembre, exactement le 14 septembre, avant que je ne sois arrêté. Gordon Bouy y avait répondu négativement. J'ai été arrêté. Et là, nous sommes le 22 janvier quand j'ai fait un deuxième recours. Mon recours est clair, je l'ai fait diffuser dans le réseau social de plusieurs. Mon avocat, qui le signe, il demande à Gordon Bouy les retraits. Il n'y a aucun pardon. Les retraits de la décision qui lève mes immunités. Mais somme toute, Gordon Bouy n'a jamais répondu à mon recours. S'il y avait eu pardon et qu'il devait sortir par cette démarche, Gordon Bouy devait répondre. Il n'a jamais répondu. Il faut aller partir en Europe quelques temps après. Après cette démarche-là, chaque fois la question m'a été posée, la réponse n'était jamais venue. Gordon Bouy n'y a jamais répondu. Donc ce n'est pas... Donc, vous n'êtes pas sorti... Faux, archi faux. Donc ce n'est pas Fayoulou qui vous a sorti de la prison. C'est... Attendez, il y a eu un arrêt qui a été rendu le 7 février, au grand jour. Et Fayoulou ne s'est pas battu pour cet arrêt-là. Ce n'est pas lui qui a accompagné l'arrêt. Non, non. Ce n'est pas lui qui a aidé. Je peux dire que chacun a des degrés divers, oui. M'a soutenu. Mais dire que c'est à la suite d'un pardon que Fayoulou avait obtenu auprès d'une clémence qu'il avait obtenue auprès de Gordon Bouy, faux et archi-faux. Alors, mec, et puis vous avez vu, pour vous montrer que c'est faux et archi-faux, quand l'arrêt de la cour constitutionnelle est rendu, vous avez vu Olenankoy faire les déplacements de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, rencontrer Godet, et tous les deux se sont mis d'accord pour venir voir en prison. Je n'ai pas décliné cette offre. Je n'ai pas décliné. C'était public. J'ai demandé à Nico Mahengue. D'ailleurs, au niveau des communicateurs Lamouka, l'opinion était divisée. Il y a certains qui pensaient qu'il fallait simplement que j'accepte que Gordon Bouy et Olenankoy me voient, pourvu que je quitte vite la prison. J'ai dit non. S'il y avait à négocier, j'aurais dû le faire quand je n'avais pas encore obtenu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Maintenant que j'ai l'arrêt, qu'est-ce que je vais encore négocier? J'attends l'application. Si ça me prendra six mois. Donc, faux et archi-faux. Je voudrais un peu éclairer l'opinion autour de tous ces gros mensonges. Alors, je voudrais qu'on fasse ça en lingala, oui. Si vous le permettez. Mike Mukebay, est-ce que vous avez sa bande de colis? Parce que, il y a, au-delà de tout, il y a une grande confusion, je reconnais. Batoba lobby, que y a un problème personnel, je veux dire, Martin Fayoulou. Batoba lobby, que y a un problème personnel, na Mozito. Est-ce que, au coup, il y a un peuple congolais, balien na yo na Martin Fayoulou, na nini lilo, avant tout avancer. Toke, mais avec le Mbango, bandeko. Démocratie, anaye komo na tali passe. Fayoulou abimi na etandweke. Alobite, esenge ba poisa Félix. Félix, ako ke yalandzela ya. Koko isama, na mibeko. Na mouni te likambwane yali nga momonen. Nga yali mousali, na lamuka, na zonga zonga ya Fayoulou. Na Mozito. Na tika likoka likambwane, tika obenga nga ba yipu sanga ite. Na mwana mokete. Nga mwana mwana ne bongo.
boyebi singa ite yo golobango na monoko na le quoi yo amokondi wa monene soko yeba to atondaka na Saint-Thérèse yo komi tata nzambe o yo golabogolobi ngana ko lobate baninga na ye ya bokondi ala muka bemba alobi na bango ngote katumbi alobi na ngote ya lobaki mokolo ayambo ngamu ko mba nga mite ligambo ya liga mo monene ya lingambo so de lo peli simboka moto bato abomani toko suka wapi na kei na bi ngai mukebai po boye bakaba kongoma nyali ngomba nyonso ele ko ali boso ali wabenga nokuta ni français responsabilité individuelle so na moni li ngome ko kumu kenda mabe na komi longola na mabe wapi na kei mukwami bale ne tande ke na bi li kambo wana mokonzi faulo lobi na bi mokonje faulo bi e mala moto ko pesa mboka tokoya ko bunda biso na IDPS tamuka na IDPS ekotike la kabila nzela pitumbe kokota tokoboma na bato bakoboma nawa na mabanga na nzete yali malamu te ngai na ndimi yango te yali lokola te ko pesa kabila mokongo wa mataleka soko ko matana oya yo yanga ya ko matate na sisi ko bala kenda ko na epa ya ndeko Israel muto na tika ko finga moto te na zongi ndako kwa mibali kaka kosisa bandio loba faulo atindi bato na Miko Mayengele, Blancha, ba panzani ne tandweke. Kubanda moko wa mibale, bango wana. Moko la misato, bango wana. Moko la mine. Bakuta nina, meda akankolongo. Ne tandweke. Moto, boko lo baka bo, muke bayi. Po avandini yako ya nwabino te. Shiko ya nwabino. Nga yo, nako ebisa yo. E lenge yo, yako pankolaka, pam, pambo wa bengi Yves Bouya. Nga na ebisa ki Yves Bouya. Yebisa mozito, yebisa faulu. Awa bato bako lo balangai. Apekizi faulu te. Na poko alango tokuta na gina Yves Bouya. Na bandalungwa. Tomelimu wako po elongo. Apesa inga yano. Yabisa ki kendo kwa ebisa mozito. Na ebisa ki yango libosto baninga. Ki kende kwa ebisa mozito. Na chombo na ebisi. Aspesa inga yano. Libosto te moto epela. Nzambe wa likolo amoko. Ye Yves Bouya. Nga na ebisa ete. Te kende kwe bisa mozito e bisa faulu nana posa makambote. Me pourquoi yo mo benga ki bango te déplacement. Ngai na kwe ko benga bango te ngape nana lolendo nanga na moto. Na ebite toko yoka te kaka pete benga zo chombo nana benga ngape na moto nana mo lolendo nanga ite. Na tinde bango malo. Ba fingi ba fingi ba fingi. Mokolo ya mitano. Na tindi mo alolaka. Na bia bogoloba na ko yanola. Ba bia kokosa. Mokola mito na poko ya bandi ya nula. Dewe na hasi tunaposa makambo wa nante. Dewe toko mota le tumba. Dewe na fayu kubona problem te. Individuelma. Bango batu bango banza tenana likambo na bango. Tango na kendele kolo ba mokola mi balena bite. Likambo yeza mabito. Owe la kini. Malo bana ye. Demokrasi yo batu bako bundele bako ba. Kabila ana demokrasi ya te. Songolo ana demokrasi ya te. Bango mo bako kwa yango te. Demokrasi ya pasi. Yango ane pa likambo yebani. Alors, parce que les lones nge tout sa situation tout sa nan wole lobo. Vidéo mo retamboli awa batu balobi ke bakoboma baluba o bazana tchango batu balobi soki bo meki na président élu bakoboma bande ko ya Félix vidéo modèle wana na ibite soki ozo mona gravité na sika yo ko mona mokeba ya obite na longwe na musaba pesenga na muka pona tribalisme e pa ya Fayulu na Mozito ah kokose ya batu makambo bato baye milulu mokola misatu pa Fayulu bana ya muka na bana esidé ba ye wana tango ba ye wana ne tandweke bana mine mitano moto ba zomi ngai mona lo bia ngote na ko kama lo bango nkele po na ngai na zongela ngona monoko la ngai kasi na zongela ngo lokwa na muluba omoni soko na ko lobe ko changa pasi ba ko mona lokwa na okote ya baluba te soko ya kipe ba kongo na ngana telema bana ba ko loba tokomo baluba na changu Félix yo tokomo bande ko na na changu oyoki Fayulu to Mozito batele meli kambwana. Oki bango batu mwa batu mwa bana ana. Bolo baka bongo te. Balobeli yango epayi ya Fayulu. Video yali salimi na Father House? Na, na payi na ye. Omoni yango te. Namoni video mena moni Father House te? Yali banda lopango na ye. Ok. Bano baya ki wana. Avandi fui. Na lokota yifa baki ne di mo. Konsan. Moto ali ako beta katolo te ya kukamba Kongo yende baponaki bato liboso ndako na yo so balobi mosika na ko banza to na ko kumona ma ko tala te vandi na oni sui
Attends, le coup, tu peux mon sika. Soit Ali mon cabo. Eh, ma cambo, on a combattu pour ma bateau école, le songo, la réalité. Tel est l'eau avant d'y venir. Tel est l'eau, mon zut avant d'y venir. Bon, mon yangote, bidi, dit, voilà, ma congomane. Bon, mon yangote. Mais la vidéo. Oyebi, tribalisme, Zakaboni. Bon, tu vas voir le côté de la France. Le tribalisme est sournois, subtil. Hein, il s'exprime avec des détours. Hein, pour les plus avertis, on dit Makira et Gangi. Mais tu vois maintenant, à une échelle plus inférieure, ceux qui n'ont pas le même niveau de jugement que les élites ont capté et rendent ça maintenant de manière brute. Tokobo Mabalouba. Vous voyez maintenant le résultat. Dans l'entretemps, le Moulouba qui entend ça, qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur les qui-vivent. Et le jour où ça va éclater entre une telle tribu et les Balouba, ça ne se parlera pas autour d'une question politique. Et quoi ça peut être football? Ça sera autour d'un robinet, oui. Et on est en train de puiser de l'eau. Ah yo, ça va, Nanga! Et puis, vous vous retrouvez, bataille rangée entre des tribus. Oui. Et il y a eu un jeune qui a dit ça, comme je l'ai dit, vraiment le rendre de manière brute. Il y a un jeune qui a dit, oh, il a commis guerre tribale, dans la vidéo que j'ai vue. Oh, il a dit très bien. Et commis guerre tribale. Tu as entendu? Mais est-ce qu'il a la mesure de ce qu'il dit d'abord? Il n'a pas la mesure. Mais ça lui a été inculqué. Progressivement, à dose homéopathique. Subtilement. Sans dire tel. Moi, j'ai vécu au Rwanda. J'ai lu l'histoire du génocide. On y va comme ça jusqu'à ce que l'être humain prend l'autre, son contemporain, pour un insecte. Et quand il est tué, il justifie même ça comme avoir rendu un service à l'humanité. C'est comme ça le processus. Et là, le processus est enclenché. Si nous ne l'arrêtons pas, c'est grave. Alors, mais parlons-en toujours dans le cas il y a vidéo. Quand même, c'est assez scandaleux de comprendre que lorsqu'on s'en prend comme ça, à la suite des deux propos, parce qu'on a dit que propos Liboso à Kaja dénonce à Kiango, il y a du propos à Motomogo et à FCC. Propos Moussatali, propos à Motonabino et à Lamouka, honorable député Lokolayo. Bon, il y a un abiyada majeur, Lokolayo. Il n'y a pas un député. Il y a Lamouka en plus. Mais pourquoi jusque-là, FCC, Mouta réagir t coordonnateur et FCC, Némi Mulania, a se désolidarisé à propos à Monsieur Katumbi, a se désolidarisé t Salomon Esgadela, qui est patron à parti, Moko aussi, assez désolidarisé, Fayoulou, Mozut, pourquoi il y a un silence? Non, dans moi, ce qui me fait craindre le pire, hein, c'est ce silence quelque peu complice, comme si on disait allez-y, continuez. Mais en ce qui concerne les députés, de Moutine, de Moutangi, Nabanzo, Oyebite, et paye ensemble, à Zagapenze, Penze, Soukounate. Oyebite, en gros, tant que Kenda Makamboya, chef de file de l'opposition, on est pour la mission ensemble et bon gars pour mon candidat, mais ça tout. Moto autant qu'il n'a combo, non. Au cas où pas habité, il est pas un candidat. Au cas où et pas la mission ensemble, ça va penser sous. N'a quoi pas militer, bah candidat, mon gros morceau va au cas terme. Il y a quoi la bande à mon candidat, fanda qui n'est rien. Pour moto, on a qu'à penser sur pas la mission. Mais pourtant, ils ont engagé Bino. Tête, n'a bande à ma banane, on va battre Galo, on en dira ensemble. Ce qu'on va pas qu'on en dira ensemble, Gabi. Aujourd'hui, ce qu'on a été ensemble, c'est un thème qui est là. Je suis là ensemble. Mais le parti, le tribalisme, comment on fait pour la vie? Ensemble. Et donc, la première chose, mon cher frère, au jour d'aujourd'hui, c'est de s'élever, de dire non. C'est simple, non? C'est aussi simple. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'éducation. J'ai vu à Sainte-Thérèse, quand Fayoul a parlé, a appelé la foule à garder les silences en mémoire aux morts du corona. La foule a dit non, le corona n'existe pas ici chez nous. Il a dit non, c'est moi le chef, le corona existe, écoutez-moi. Il a éduqué, il a sensibilisé, les jeunes ont accepté. Mais puisque là, vraisemblablement, il est d'accord, il s'était. S'il faut d'abord donc il cautionne le tribalisme. Il cautionne. Mais ça s'est fait chez lui. Attends, tu peux t'imaginer. J'ai un ou deux collaborateurs chez moi. Les manifestants viennent chez moi à l'occasion, je ne sais de quelle activité. Et juste en sortant de chez moi, ils se mettent là, caméra, micro. Tokobo Mamba Congo, au devant de chez moi, moi je dormais. Je vois la vidéo. Je demande à mon collaborateur, cette vidéo a été réalisée où? Non, c'est devant chez toi, tout de suite après la manifestation. Non, je prends position publiquement pour dégager ma responsabilité.
lui se tait. Est-ce qu'il n'a pas... Est-ce qu'il s'est délibéré. Est-ce qu'il ne se tait pas pour prendre du recul, finalement? Quel recul? Parce qu'en fait, en ce moment-là, le virus lui est en train de ronger la société congolaise. Vrai ou faux que Martin Fayulu avait dit que Félix Tshisekedi n'avait pas été élu? S'il l'avait été, c'était par ses frères Louba. On a dit qu'il a dit, il a dit une chose comme ça en Europe. Ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu cette vidéo-là. Ça, je ne sais pas. J'ai entendu, mais s'il l'a dit, la meilleure façon de couper court à la polémique, c'est de chercher la vidéo. Mais est-ce qu'on n'est pas dans la logique, on répond à un imbécile par les silences? Est-ce qu'il ne s'était pas pour laisser les choses aller parler comme ça? Les imbéciles, c'est une menace à l'endroit de ta société, celle pour laquelle tu te bats, celle pour laquelle tu dis que tu as été élu, celle que tu as cherché à diriger ou que tu cherches à diriger. C'est une menace qui peut brûler la société. Supposons qu'aujourd'hui, à Tiangou, on tue 2 Louba, 3 Louba, 7 Louba, 9 Louba. Non, le grand danger... Qui porte les la responsabilité? Non, voilà, nous pouvons essayer de scénariser ça. Regarde, le grand danger, c'est lequel? C'est qu'un matin, un petit groupe d'individus, ce ne sera jamais toute la communauté Yaka ou Louba, jamais. C'est toujours un petit groupe instrumentalisé. Ce groupe-là s'en prend au Balouba, par exemple. OK? Il y a 2 morts. Tu apprendras qu'en Mujimaï, on s'en est pris aussi aux ressortissants du Bandundu. Et ainsi de suite. Hein. Et qu'à Bandundu, on s'en est pris ainsi de suite. Personne ne pourra plus arrêter ça. C'est ce que j'ai craint. Et je même, au jour d'aujourd'hui, demande à Félix de revenir dans un discours, d'appeler à l'apaisement. Parce que c'est très grave. Regardez, tous un exemple simple. Baké Koto Kamaï ensemble. Ouais, mais ça va se passer comme ça. Ouais. Bato Kimé ensemble. Ouais. Alors c'est fini. Ça commence, les Balouba se rendent d'un côté, les Bayaka de l'autre, et c'est parti. Et il est grand temps aujourd'hui. Il est grand temps. Quand nous le disons ici, certains trouvent que nous exagérons. Que, en fait, nous sommes en train de créer un fantasme. C'est une menace fantasmagorique. Elle n'existe pas. Mais il y a pour Boya Kamro, honorable Mokibay. Oui. Boya Kamro, tant qu'on disait que c'était le tribalisme. Oui, j'ai dit non. Au non, ce n'est pas encore le tribalisme. Oui, j'ai dit non. Mais quand je vis des faits, je suis un homme avec une certaine subjectivité et de l'objectivité. Parce que cette histoire a commencé bien longtemps. Oui. En Europe, ça a déchiré les familles. Par les trucs, les couffins, les chiens. Attends. La dernière manifestation publique de la Mouka, c'est le retour de Martin Fayulu. J'étais là, mon collaborateur Jimmy est là, à chaque manifestation, il est là. Il est toujours là à côté de moi. Hein? Il est toujours là à côté de moi, dans la foule. Toujours à côté de moi, du début à la fin. Les jeunes, je ne dis pas toute la foule, toute la procession. Les jeunes ont chanté autour de moi et j'étais très mal à l'aise. Mouloubé et Zoye Boumaï. La vidéo a circulé, tout le monde a vu. Martin Fayulu, sais-tu? Tu l'as entendu le dénoncer? Vous aussi, vous vous êtes tué en ce moment. Ah oui, je me suis tué en ce moment-là parce que j'étais embarrassé en tant que Kassaïa. C'est cela les drames, c'est ce que j'ai souffert. Quand j'ai commencé à le constater, j'ai dit, je suis Kassaïa, comment le faire? Si c'était les Bakongo qui étaient la cible, ça pouvait être très facile pour moi. Il a fallu un incident, c'est lui qui est survenu la semaine passée, pour que je dise, enfin, je me décide de le dire tout haut. Est-ce que vous ne pouvez pas dire... Il est au courant, je suis rentré chez moi malheureux. Embarrassé, je suis Kassaïen, je suis de la Mouka. Si je l'ai dit à Nico, si je l'ai dit à Fayulu, ils vont tous dire, oh, il exagère, c'est un Kassaïen. C'était ça le problème, donc juste j'ai parti. C'était difficile pour moi. Les Nico dont vous parlez, de quelle tribu? Je ne connais même pas. Je n'ai jamais demandé de qui que ce soit, tout ça. Sauf certains grands leaders, tout le monde sait qu'il est de telle province, mais puis ça va s'arrêter là. Mais tous ceux qui sont là dans le commerce, c'est là que je fréquentais, notamment les communicateurs de la Mouka. Je ne sais pas. Adrien, il y a un Adrien là-dedans. Il y a Michel Mangala, je ne sais pas. Il y a Steve Kivuata, je ne sais pas. Maman Chantal, je ne sais pas de quelle tribu. Mais aujourd'hui, vous avez des armes, parce qu'on a une mieux sur contre eux. Ils vous traitent des détraqués mentaux, ils vous traitent d'être malade, ils vous traitent d'être vendu. Bah, ils vous traitent de tout, Makila et Gangi. Juste aujourd'hui, je cherche de savoir la signification de Makila et Gangi, mais je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Moi, je vais te dire, c'est toujours pareil. Des gens traitent Moukébaï. Des détraqués mentaux. Heureusement que c'est un détraqué mental qu'ils ont employé eux-mêmes à la Mouka. Et quand j'étais là, j'ai eu à montrer ce que je vois sur le plan intellectuel. Vous étiez la fleur là-bas. Ouais, et puis après, une fois que vous êtes sorti, sur le plan intellectuel. J'étais là sur des plateaux de télé et un discours cohérent, la Mouka, que j'ai porté en bon français en plus.
Je sais pas si on aligne les gens là-bas, tous parlent autant bien français. Il y en a qui parlent français, un français proche de leur langue maternelle. Mais le français, c'est pas l'intelligence, ça, vous le savez. Vous dites ? Le français, ce n'est pas l'intelligence. Si c'est ça, quand même, on a appris en français, au moins. Quand vous avez appris en français pendant 12 ans et que vous ne savez pas rendre les idées, alors vous allez les rendre dans quelle langue ? Non, qu'on arrête ça, hein, qu'on arrête ça. Oui. Moi, j'ai fait mes preuves sur le plan. Quand les gens m'attaquent sur le plan intellectuel, ça me fait rire. J'ai fait mes preuves dans ce pays. J'ai dirigé de grands journaux. Il y a des gens, tu peux leur demander ce que vaut Moukeba et King Kemolumba, Kibambi Shintoa, Modeste Moutinga. Ça, s'il n'y a pas de débat, ça, moi, je ne réponds pas. Hein? J'ai été directeur du Soft International. Je suis devenu rédacteur en chef du Soft, je crois, à 28 ans. Hein? Puisque les gens disent toujours, c'est un petit gradué. Quand j'étais rédacteur en chef du Soft, j'ai dirigé des licenciés. Kinki m'a confié des responsabilités, j'avais sous ma responsabilité des licenciés. Ça signifie qu'ils avaient des plus grands diplômes que moi, mais sur le plan de la compétence, les patrons s'étaient rendus compte que les gars qui peuvent faire le boulot, c'est celui-là. Alors aujourd'hui, les jours où j'ai quitté Kibambi Chitoa dans son numérique, avant que ça devienne une chaîne de télévision, c'était un tabloïd, Kibambi a pleuré. Allez-y lui demander. Demandez ce que vaut Moukebaï à Kwebe Kimpele. J'ai fait mes preuves. Ça, passons. Nous sommes dans des contradictions politiques. Oui. J'essaie qu'en pareille circonstance, c'est le dénigrement total. Je le leur conseille. Est-ce que c'est le chemin de non-retour? Chemin de non-retour avec Essidé et Lamouka. Disons avec Essidé, Fayoulou et Mozuto. Oui, oui, pour moi. Pour moi. J'attends qu'ils prennent position publiquement, qu'ils disent non au tribalisme. Ils ne le disent toujours pas, ils ne le font pas. Alors pourquoi je retournerai là-bas? Et s'il le font, au nom de quelle réconciliation? S'il regrette, s'il dit, il s'excuse. Ah si, ce serait déjà un pas. Oui, ce serait un pas entre eux et moi. Ils se taisent, même au moment où nous parlons ici, ils vont nous suivre. Ils vont dire qu'ils exagèrent, ils ont vu des tribalismes. Les vidéos là, elles les banalisent. Elles les banalisent. Est-ce que ce n'est pas ce que... C'est mais qui... quand vous parlez de ces vidéos, mais quand nous allions à des manifestations, mais quand les vidéos de la télévision RTVS atterrissent chez Mozuto, ils les visionnent avant qu'elle ne soit diffusée. Donc, ils visionnent toutes les vidéos. Donc, ils voient bien qu'il y a certaines vidéos où il y a des propos ethnicistes, tribalistes. S'ils ne les diffusent pas, au moins, ils devaient se sentir interpellés et faire quelque chose. Comment on fait pour arrêter ce tribalisme? Comment on fait pour arrêter cette vague de tribalisme? Non, maintenant qu'on en a pris conscience, chacun d'entre nous, nous devons y mettre. Nous y mettre. C'est que chacun d'entre nous, qu'on dise chacun, stop racisme, il faut qu'on s'engage tous. J'interpelle d'abord Félix, il faut qu'on s'engage. Je regrette beaucoup que je retrouve la même attitude au niveau de FCC. Il y a un cadre qui tient des propos quasi divisionnistes, entre guillemets, et pas de réaction, pas de condamnation. Mais que chacun, les hommes aient pris de paix et de justice, que chacun d'entre nous s'engage dans cette voie-là pour que nous fassions reculer ces fléaux-là. Alors, on va aller plus vite que ça. Parlons maintenant de ce que les gens considèrent comme rapprochement entre Mike Moukebaï et Félix Tshisekedi. Sinon, Mike Moukebaï est la position de Félix Tshisekedi. Parce que tout de suite, il y a une sorte de cassure. Le Mike qui était cassant, pertinent ou même impertinent à certains moments, taquin. Et surtout même impertinent. Oui, taquin, accusateur, plaintif. Et aujourd'hui, Mike Moukebaï devient tolérant tout de suite. Tolérant. Et ça coïncide avec la sortie de la prison. On se dit, mais est-ce qu'il s'est assagi? Ah non, 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 ça ne coïncide pas. Ouais. Quand je suis sorti de prison, les mois qui ont suivi, avril, mai, j'avais mon discours. Les gens disaient, je me rappelle même qu'à Orzon, à Soukouna. Ouais. Non. J'avais mon discours virulent. Et vous savez même que tout de suite après, il y a eu une autre menace. Et pour laquelle quelqu'un. Vous avez demandé à madame. J'ai demandé à Olive, donc voyez-vous que c'est faux tout ça. la pauvre maman Olive, elle a droit à une vie de famille, laissez-la tranquille. Elle a droit à une vie de famille, elle a des enfants qu'elle élève, elle a ses champs de tomates, où certains d'ailleurs vont cueillir des tomates et après ils viennent dire ah, maman Olive, il y en a qui sont allés cueillir des tomates. Voilà, ok, donc, c'est ça. Non, la politique est une compréhension, la politique est un phénomène qui évolue. Quand on dit dynamique politique ne signifie pas que Moukeba quitte la Mouka et demain vous le retrouvez ministre de l'UDPS. Dynamique politique, ça signifie les choses ont évolué, les réalités ont changé, adaptons-nous. On ne peut pas continuer à camper ici sur une position donnée, par exemple vérité des yeux, pendant que les choses avancent et qu'on va avoir des élections dans 3 ans. Sinon vous risquez de rester là
Et même le jour des élections, vous, on dit, les gens voient les autres, non, 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 moi je suis ici. Etienne Tshisekedi a eu à défendre des positions, Imperium, après il a évolué. Il a eu à dire que je suis le premier ministre naturel, choisi par la CNS. Il s'est battu, il s'est battu. Et avec le temps, un jour, Mouzé est arrivé, dialogue intercongolais. Il a cédé sur cette position-là. Lui qui était fort, il a évolué. C'est ce que Moukeba a fait. Qu'est-ce qu'on me reproche? Quels sont les éléments vu, qui ont j'ai fait vu, qui ont poussé j'ai vous vu. J'ai craigné que Félix ne devienne le complice de Joseph Kabila. J'ai dit, si nous lui témoignons de la compréhension dès le départ, il risque de dormir sur ce laurier en se disant, bon, ben, voilà, tout le monde me soutient. Nous devons l'interpeller. Chaque fois, il devait sentir qu'il y avait quelque chose qui tapait sur sa tête. Et il nous a envoyé des signaux. Il a posé des actes. On a dit, tiens, en fait, il est en train de nous dire, je ne laisserai pas passer. Ce n'est pas moi qui vais ouvrir la porte à Kabila. Mais ce n'est pas la position de la Mouka. Pour la Mouka, non, il n'y a non, pas non, de signaux. Non, 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 mais c'est ça. Attends. Il n'y a aucun signal. Attends. Avant que Fayoul lui-même, c'est ça le problème. De se contredire, de faire un pas devant, deux en arrière. N'a-t-il pas parlé d'une page tournée il y a quelques semaines, il y a quelques mois ici? Ça signifie quoi? C'est ça le problème. Il dit c'est individuel. Hein. Hein? Il est chrétien, il a pardonné le voleur de Félix Tshisekedi. Oui, oui, mais il au est moins, complice de Kabila. Oui, oui, il a pardonné. Mais au moins, il a dit qu'il a tourné la page. Oui. Alors, ça signifie quoi à ce moment-là? Ça signifie pas qu'il a eu des signaux pour. Ah, alors, non, alors, nous, on ne comprend pas très bien en français quand il dit qu'il a tourné la page. Ça signifie que c'est une nouvelle page qui s'ouvre. C'est laquelle qui s'ouvre? Il devait la décliner. Il ne l'avait pas encore décliné, il parle de la destitution. C'est ça le problème. Si nous l'avions mal compris, lui, c'est lui le chef, il devait nous appeler pour nous montrer la nouvelle page qui semble-t-il est encore vierge, que nous devons commencer à remplir ensemble. Mais moi, j'ai vu ces signaux. Et je pense que nombreux comme moi ont vu les choses de la même façon. Parce qu'en fait, ce qui doit nous préoccuper le plus, c'est le Congo. Ce n'est pas forcément ma position de petit député, comme tout le monde m'insulte, petit député à l'Assemblée provinciale. Je prends ça très bien. Hein. Député mineur, en fait. Oui, oui, non, il y en a un autre qui dit petit député, je ne peux pas contredire, c'est lui que le Congolais a élu. Vous voyez, en démocratie... Non, c'est l'ordre sociologique. Oui, oui, ouais, c'est ça. Donc, le débat contradictoire, c'est que député provincial ne peut pas contredire le président élu. Et tu vois ça un peu. Et donc, moi, je ne peux contredire que... Alors, comme lui, le président élu, il faut chercher un autre président élu ou un ancien président pour le contredire. Donc, il n'y a que Kabila qui peut le contredire. Félix, je ne sais pas. Vous voyez un peu. Hein, quelle façon de schématiser la démocratie? Soit, passons. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai vu ces signaux. Et un matin, il y a une dynamique qui est née à Kinshasa. Et s'est poursuivie dans l'arrière pays. Quelle est cette dynamique? C'est face au loi Minaku et à l'affaire Ronsard. Nous, DPS marche, nous marchons. Et Félix nous répond favorablement. À nous tous. Et à l'UDPS et à la Mouka et au peuple congolais. Donc, c'est clair qu'il y a un certain rapprochement. L'approchement pas physique pour que forcément nous nous mettions dans une coalition, c'est impossible. Félix est au pouvoir, nous nous sommes dans l'opposition. Mais un rapprochement pour que nous marchions parallèlement, mais ensemble. L'UDPS ici, la Mouka ici et le Congo devant. Parce qu'il y a une force qui représente une menace sérieuse sur la démocratie. Je crois que là-dessus, nous sommes tous d'accord. C'est le FCC. C'est aujourd'hui clair. À chaque session, une menace sur la démocratie. À chaque session, une initiative liberticide, démocraticide. Donc cette force est identifiée. Nous n'avons pas à chercher contre qui nous nous battons. Et moi, j'encourage cette voie. Et moi, je vais travailler pour cette voie. Alors, avant de travailler et pour si cette voie signifie un rapprochement avec Félix, je m'en fous. Très bien. Mais au moins, le temps finira, lui, par... mettre le point sur les i. Après 2 ans, les gens verront si je traverse pour aller chercher un poste ministériel. Après 2 ans, les gens verront si je me suis enrichi personnellement. Alors, voilà comment ça se passe. Pour l'instant, je leur dis, je continue ma vie, ma modeste vie, je suis à Lingala, de la même maison que je loue. Alors, ceux qui pourront être au courant que j'ai acquis des biens, des maisons, ne pourront que venir le dire à la télévision. Voilà un peu l'image que l'on a de vous, Mike Moukebaï. Et de la Mouka, je parle de... Parce que vous avez bien défini la Mouka, Hezbollah, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Hezbollah. Hezbollah de Fayoulou et Mouzouto. Oui. On veut bien, mais regardez comment ce qui est dit. On se dit, je les ai entendus dire, il n'y a pas de différence entre Félix Tshisekedi et Kabila du moment où ils ont accepté d'être ensemble. Donc, nous, moi personnellement, qui crois que c'est deux manières de voir les choses distinctes, on me traite de fou. On dit non, je vais te dire. Je vais te dire. Vous dites, on dit la même chose. Je vais te dire et je vais faire une grave révélation ici. J'ai des sources. J'ai appris quelque chose que Félix a dit de grave mais formidable. Oui. D'abord, moi, je l'ai pensé aussi, ce qu'ils disent là.
Mais la politique est dynamique. Nous avons réfléchi longtemps à comment faire. Quelle est la cible entre Félix et Kabila? C'était ça. C'était la grande question à laquelle il fallait apporter très vite une réponse au début de cette coalition. Et le temps nous a permis de comprendre qu'avec Félix, il est possible de faire des choses. Mais non pas avec Kabila. Maintenant, c'est clair. Donc, il faut évoluer avec. Mais tu sais, face à cette menace que le FPC fait peser sur le pays, quelqu'un m'a dit, et Félix lui a confié, il dit, l'initiative que le FCC veut amener, veut porter à l'Assemblée en session, ils ne peuvent le faire que Félix Tshisekedi mort. Si je suis vivant, ça ne passera pas. L'initiative de deux tours de pouvoir, non, par le suffrage universel indirect. Oui, indirect. Bon, je l'ai appris par une source crédible, sûre. Il l'a dit. Je ne peux pas encourager. Il l'a dit, ils ne peuvent le faire que Félix Tshisekedi mort. Vivant, ça ne passera pas. Moi, j'ai déjà capté ça en privé. Des sources sûres. Donc, j'ai dit, OK. Donc, nous émettons sous la même longueur d'onde sans être au sein d'une même coalition. Donc, moi aussi, je me prépare pour qu'en septembre, je me dresse côté la Mouka contre cette initiative. Et je suis sûr, là, maintenant que j'ai cette information, que j'aurai du répondant du côté de Félix et de l'UDPS. Ce qui est sûr, c'est que Félix Tshisekedi dit, par exemple, que l'histoire ne pourra jamais passer, ni Malonda, ni le suffrage direct. Bah, alors, la Mouka estime que c'est du bluff. D'accord. Alors, comme démocratie, c'est plusieurs idées, plusieurs lignes, et aussi plusieurs approches, vous pouvez avoir le même objectif, mais chacun d'entre vous pense qu'il faut emprunter tel ou tel chemin. Alors, j'ai dit, le chemin que moi je porte, c'est celui que je vais défendre, tout en restant dans l'opposition, et critique envers Félix. En 2023, il me rencontrera sur son chemin, je vais lui demander de présenter son bilan, moi je viendrai avec les miens. Si ce serait encore la Mouka, tant mieux, avec notre programme la Mouka. Si ce n'est pas la Mouka, si chacun décide de se présenter comme candidat, je soutiendrai le candidat de mon parti naturellement, qui est Moïse Katumbi. Ok. C'est lui que vous avez choisi en 2023. Mais naturellement, si la Mouka demain éclate, et que chacun... Et d'ailleurs, je n'ai jamais cru qu'en 2023, nous aurons... Je préfère être franc et sincère avec les Congolais, qu'en 2023, nous aurons un candidat commun. Non. Ça n'existera pas. Si nous avons réussi à avoir un candidat commun en 2018, je l'ai dit et je l'ai redit, c'est Kabila qui nous a aidés. Lui, il a cru fragiliser l'opposition en disqualifiant Katumbi et Bemba. Et puis, il a permis de réduire les contradictions au niveau des ambitions. Et alors, il y a eu un candidat commun. Vous croyez que si Katumbi n'était pas disqualifié, je parle du réflexe d'homme politique, de l'instinct du politicien, de l'analyse pure. Vous croyez que si Bemba n'était pas disqualifié, il aurait cédé à Fayoulou? Ou Katumbi aurait cédé à Fayoulou? Et en 2023, vous pensez qu'ils vont aller comme ça? J'ai fait une analyse. Peut-être pas Bemba, la situation n'est pas régularisée. Je crois que c'est tout ça à mettre dans le basket form de discussion. Le cas Bemba, nous savions qu'il a été ciblé politiquement et sa candidature invalidée pour affaiblir l'opposition. C'est de toutes ces questions qu'il faut parler à ces négociations, à ces discussions, pour lesquelles moi je m'engage et je travaille. Est-ce que vous prenez... Alors, naturellement, les hommes sont ceux qu'ils sont. Moi, quand je viens faire de l'analyse, ce n'est pas l'angélisme, ce n'est pas des souhaits. L'analyse, c'est que c'est une projection par rapport aux réalités, par rapport à l'homme, ce qu'il est, ses réflexes, ainsi de suite. L'homme difficile à contenir quand il s'agit de ses ambitions personnelles, l'homme politique. Donc, inévitablement, en 2023, nous aurons 2, 3, 4 candidats. Et vous serez derrière Katumbi, naturellement. naturellement. Alors, on évolue. Hier, pardon, il n'y a pas fait pas hier, c'était il y a 2 ou 3 jours, le FCC sort une bombe, une projection qui est prise en charge par tous les médias internationaux où l'on parle de la suppression du suffrage universel indirect, disons direct. Il faut ramener le président... Ils ont dit 2 tours, mais indirect. C'est-à-dire que... Le premier problème, ce n'est pas 2 ou 3 tours, ouais. Ou 4 tours. Suffrage universel indirect. Donc, ça leur donne plus de marge de manœuvre pour tricher. Bien évidemment, c'est 500 électeurs. Ouais, ouais. C'est 600 électeurs. Ouais, ouais, vous avez gagné, ouais, 500 électeurs et les sénateurs, ainsi de suite. Ce n'est pas la première fois que cette idée est mise sur la place publique. Ce n'est pas la première fois. C'est en fait, comme toujours... Un ballon d'essai chez eux.
On a déjà entendu cette idée. C'est cette idée, si elle était un jour matérialisée, elle permettrait Kabila de revenir sous prétexte que c'est plus le même régime. Mais c'est plus le même régime. Et puis c'est plus la même constitution, parce que l'article 220 est clair en ce moment. Ok, donc ça va. Il faut la changer, la constitution. C'est plus le même régime constitutionnel. Donc c'est un peu ça. Donc derrière, il se cache l'ombre de Kabila, du retour de Kabila aux affaires. Nous savons comment ça se passe. Ils viennent, ils lancent un ballon d'essai. Mais nous leur répondons simplement, Ngoïka Sanjitoa, je ne sais pas si j'ai suivi tous les bons du FCC, mais j'ai entendu cette idée pour la première fois, là, remise au goût du jour, dans la bouche de Ngoïka Sanjitoa. Oui. J'ai dit, il a eu une affaire ici, il a pleuré, j'ai pourtant compatié avec lui face à Mokia. J'ai dit, là, tu avais eu affaire qu'à Mokia. Cette fois-ci, tu auras affaire au peuple congolais. J'ai dit à Joseph Kabila, j'ai dit au FCC, moi, je ne vous dissuade pas, je ne vous interdis pas. Venez avec cette idée en ce temps. Comme on dit à Abidjan, si vous êtes garçon, venez. Ah, mais si vous... Si vous êtes garçon... Cette phrase a valu à quelqu'un en prison. Hein? Ben, venez. Ouais. Si vous êtes garçon, FCC, venez. Si vous voulez qu'un jour... Je vous préviens, j'ai dit à Joseph Kabila, ne poussez pas les Congolais un jour à dire « Nous n'avons plus rien à perdre. » C'est dangereux. Celui qui n'a rien à perdre, c'est dit « Que je meurs, que je vive, ça me coûte quoi ?» La mort et la vie, c'est la même chose. Ouais, ouais. Allons-y. Alors, ne poussez pas le Congolais. Les Congolais souffrent déjà trop. Qui n'ont plus rien à gagner dans la vie. Ils sont désespérés. Vous savez qu'il y a peu ici, en 2015, vous étiez venu avec une initiative pareille. Et là, vous contrôlez tout le roi du pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, une partie vous échappe. Et vous avez fait des analyses dans vos officines pour dire les Congolais sont dépeurés, ça pourra passer. Et quand ça tire, ils détalent comme des lapins. Les gens ont tenu ici pendant 3, 4, 5, 7 jours, une semaine dans la rue. Et Kabila a fini par reculer. Si vous êtes garçon, venez. FCC, Ngoïka, si tu es garçon, amène-nous cette affaire en septembre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Quand je te parle de 2015, ils n'avaient pas reculé. Et là, ils avaient tout le roi du pouvoir entre leurs mains. Tout. Aujourd'hui, c'est quand même différent. Ils n'ont plus la présidence. Je leur dis d'ailleurs, ce qui est différent en premier lieu, c'est cela. C'est qu'ils ne gèrent pas le ministère de l'Intérieur. Donc nous pourrions mettre 3 millions de gens dans la rue. Je leur dis déjà une chose. À vous, qui? Mais nous, la contestation, nous, l'effort du changement. Mais il faut être soutenu par le chef de l'État. Et si lui est d'accord avec mais ça? Mais j'étais déjà dit ce que j'ai appris en privé. Je crois que là, il m'excuse de le dire. Ils se sont dit que Mkébé amène tout à la télé. Oui. Donc je connais déjà sa position. Moi, je défends le Congo. Je n'ai pas besoin d'aller à l'UDPS comme les gens attendent. Les gens veulent que je travaille pour dire voilà, il est vendu. Il y a quelqu'un qui me respecte beaucoup, qui est en prison, Leta Mangasa, un homme respectable, un gars formé par la République pour le renseignement, qui est injustement en prison, qui m'a parlé hier. On m'a dit que tu as traversé pour aller où? Les gens attendent maintenant, ils attendent. Ah, voilà, on l'avait acheté, vous mourrez. Maquillé, gangue. Ah, vous mourrez pas. Parce que je l'ai fait au nom de mes convictions. Quel est le plus grand danger si le FCC arrive à gagner ce qu'ils veulent gagner? Impossible, ça passera pas. Bon, on sait que ça passera pas, mais c'est quoi les dangers? Ça passera pas. Pourquoi vous avez peur? Attends, ça va être très simple pour les FCC. C'est qu'ils savent où ils vont, à quel niveau ils vont manœuvrer, pour tricher, comme ils l'ont fait, la dernière fois, pour avoir suffisamment de députés et des sénateurs, et régler le reste. Vous avez peur de 600 électeurs, parce que le président ne sera élu que par 600 électeurs. Ouais. Et d'ailleurs, ça affaiblit notre démocratie. Alors, nous allons nous mettre d'accord sur... Non, je ne veux même pas m'engager dans cette voie. Sinon, ce serait risqué. Sur le débat du contenu constitutionnel... Ça ne sert à rien d'aller dans ce débat, parce que tout ça... C'est non pour nous. Ce n'est pas un débat. Alors, je t'ai dit... je ne vois pas ces schémas-là passer. Pour qu'ils passent, je ne sais pas combien de cadavres ils vont compter. Je n'appelle pas les gens au suicide, à la mort. Mais ça voudrait dire que ce serait le désespoir pour nous. Pour moi, Mukeba, tout ce mon combat n'aura plus de sens. Quelqu'un m'a dit, si ça arrive, jamais, si ça arrive et que ça passe, eh bien, il va vivre ailleurs, ça ne sert plus à rien. Donc oui, plus à rien. Tout mon combat de ces dernières années, ces 20 dernières années... Parce que là, ça sera parti pour 40 ans. Oui. Mais c'est fini. Oui, oui, fini. Vous allez vous réveiller un matin, fils, il n'est plus Congo. Oui. Et on prend Goutou, et puis voilà, vous êtes foutus, quoi. J'ai dit, s'ils sont garçons, comme on dit à Abidjan, s'ils sont garçons, qu'ils amènent ces projets-là. Alors... Que doit faire la Mouka maintenant dans ce cas? C'est au jour d'aujourd'hui, maintenant, la sensibilisation. Voilà le travail que nous devons faire. Il faut sensibiliser, il faut appeler.
Il faut dénoncer et que les Congolais soient en alerte. Nous devons anticiper, éviter que le FCC nous mette devant les faits accomplis. Là, le FCC a failli nous surprendre avec les initiatives Minabo. Cette fois-ci, nous sommes prévenus. Bon, il faut toujours être prudent avec ces gens-là. Moi, je pense mon temps à l'analyser. Des fois, ils font des diversions. Ils vous disent ceci alors qu'ils sont en train de préparer un coup ailleurs. Il faut très bien regarder si, quand ils parlent du vote au Parlement du président de la République, ils ne préparent pas autre chose. Parce que quand ils parlent de bleu, peut-être que c'est en ce moment qu'ils sont en train de préparer la destitution. Il faut faire très attention avec eux. Hein, ils sont comme ça. Tu comprends? Oui. Mais c'est aujourd'hui, au moins, nous savons que cette intention est là, dans les esprits, chez les FCC. Alors, c'est au jour d'aujourd'hui le moment d'anticiper, de sensibiliser. Et le peuple, la Mouka, le peuple congolais dans son ensemble, de l'appeler à se tenir debout, d'être en alerte pour que le moment venu, on déclenche. Maningala, est-ce que vous avez failli le Mozito, Bemba, dans mon tout le failli le Mozito, est-ce que vous avez failli la logique ou anaya, va soutenir Félix Tshisekedi, va soutenir, on a dit, on s'occupe du peuple congolais, pour que beaucoup barènes là, la FCC, pour ne pas Kabila, na Félix, va gagner. Gaï, on a soutenu Félix, on a soutenu, on a soutenu Congo. On est bien d'accord. Bango va le dire. Sauf que Bango, on a posé un mot, on a dit, cette histoire était déjà finie. Kabila, l'histoire était déjà réglée. Mais le col Félix, après ça, Bango Beki, il y a un bouclier dans Bango. Dès que, bon, ça, là, que Félix, ça, il y a un Bango, il y a un Bunda, habité dans Bango. Bon, bah, le Biwa. Bunda, il y a un Bango, il y a un Pola. Ah, ouais, on dit, il y a un Bango. Il y a un Bango. Congo, Oyo, il y a un Bissombas. Pas si il y a Congo, il y a pas si il y a un Bissombas. Ah, voilà, discours, là, pas si il y a un Bissombas. Mon colo, mon colo, tu le cas, on a l'ali, ma bé, mon témé, qu'on soit, ma ami, ce tangina. Babubi bana mitana ba ke na kelasi. Na mi lobeli e kwa ke pe ko za pe mwana ngai. Bana biso bango bana li bakuma na mpoa botami na visasa. Baba batami na mboka ba lokwa na Kongo te. Nda ko mala mote l'autre li ki mala mote. Donc, ça dit condamné à cause de ses origines, là où il est né. Et il y a des générations comme ça qui sont condamnées à cause de leurs origines. Internet ici que nos enfants connaissent ici, ailleurs ces enfants-là ne connaîtront jamais. C'est un luxe énorme. C'est un luxe. Ce sont ces problèmes-là auxquels nous devons nous attaquer. Il faut consolider le Congo. Mais Félix est au pouvoir, moi je suis opposant. Je critiquerai violemment son discours, son bilan. J'arrive son bilan en 2023. Mais s'il fait avancer un peu le Congo, ça va aider ceux qui vont prendre le pouvoir après, non? S'il bâtit une armée efficace, moi, je dois voir ça d'un mauvais œil. Pour eux, ce n'est pas le cas. Pour eux, c'est une alliance. Ils sont ensemble. Si ils réduisent les menaces à l'Est, l'insécurité, nous, la Mouka, ça nous facilite la tâche demain, non? C'est pas ça. Ça doit être que moi, tout le bénéfice, c'est moi. Comme certains veulent me faire croire que tu sais ce que la Mouka t'a donné, ce que Falou t'a donné. Moi, je n'ai rien apporté. La vie est échange mutuel, monsieur, soyez modeste. Aujourd'hui. Alors, si eux ne le pensent pas, libre à eux. Je te l'ai dit ici, que je l'avais pensé, que j'étais convaincu que c'était ainsi, que la première question que nous nous sommes posées, en tout cas, même si ce n'était pas de vive voix, chacun d'entre nous du côté de la Mouka s'est posé la question, c'est qui la cible entre Félix et Kabila? La réponse était? Beaucoup ont dit, il faut taper sur Félix pour que Kabila soit découvert. Ça, c'était ça, ça l'analyse. Et vous, vous avez dit quoi? La même analyse. Mais au fil du temps, Félix a posé des actes qui aident le Congo dans l'avancement démocratique. Ah ouais, ça s'est décanté. C'est maintenant un peu plus clair. Il y en a chez nous qui continuent à demander à Félix la rupture. Moi, il dit, je ne lui demanderai pas. La rupture serait la pire des choses. Sur quelle rupture? Avec le FCC? Avec le FCC. Vous demandez à Félix de garder l'alliance? Mais c'est bon! C'est bon? Comment ça explique? Mais s'ils sont en rupture, ils vont travailler. Ça va être encore plus difficile pour Félix. Excusez-moi de faire cette réflexion à la télévision. C'est des choses qu'on fait dans le laboratoire. Le soleil y aller avec eux comme ça. D'ailleurs, l'UDPS va perdre en termes de représentation au niveau des institutions. Ça va l'affaiblir. Il ne faut pas que je dévoile tout ici quand même. Que les laboratoires, les analyses en laboratoire, se fassent à sur le plateau télé. Laissez-le continuer. Moi, quand il est allé à Brazzaville, il a dit, j'ai poursuivi la coalition, les gens ont crié, moi j'ai dit, moi j'ai quatre yeux.
Tu as Dieu, j'ai applaudi. Mais c'est tout de suite après Brazzaville que certaines choses se sont passées. Qu'il a encore avancé depuis en face de l'FCC, c'est pas ça? Est-ce qu'aujourd'hui... Non! La politique, elle ne se fait pas que sur la place publique. Elle ne se fait pas que sur la place publique. Même si, par ailleurs, moi-même, à vide de la télé, mais elle ne se fait pas que sur la place publique. Et c'est ça ce que moi je vois. Et c'est ça ce que moi je fais avancer. Et je suis, c'est une conviction. Et j'y travaille. L'honorable a dit, par exemple, que ceux qui, c'est Daniel Safou pour les citer, je vous poserai aussi la même question d'ailleurs pour ce vos rapports avec lui. Il dit, ceux qui Tambo Mwamba commis le pouvoir, il y a bien son Katini. Ceux qui Kabila Zongi le pouvoir, il y a bien son Katini. Bon, je laisse aux Congolais et même donner leur jugement. Nous, on n'est pas favorable à ces schémas-là. Pour le reste, les Congolais jugeront les opinions de tel et tel autre. Nous, on n'est pas. On n'est pas d'accord. C'est quoi votre vision du Congo de demain? La vision du Congo de demain, il faut aller la chercher dans notre programme, chez nous, au niveau d'ensemble. Je n'ai pas de vision à moi. Ma petite vision, je l'ai amenée chez Moïse Katumbi et nous l'avons partagée au niveau de la Mouka. Mais ce que j'ai, c'est mon schéma de sortie des crises. C'est quoi le schéma? C'est cela que je vous ai dit. De travailler, de poursuivre cette dynamique de manière parallèle. UDPS là-bas, la Mouka ici, de manière parallèle. Pour qu'enfin, nous aboutissions à des discussions sur des réformes électorales. Est-ce que nous pouvons... C'était très bien posé par Martin Fayulu, jusqu'à ce que lui-même se lance dans le dévoiement total. C'était très bien posé, cette affaire de plan de sortie de crise. C'était très responsable. C'était fédérateur pour les Congolais. Et je ne sais pas quelle mouche l'a piqué un matin. Rétro-pédalage, querelle, c'est regrettable. Donc ce schéma-là, il est clair. Il nous faut une compréhension mutuelle partagée entre l'UDPS et la Mouka et les autres forces du changement, de sorte à cheminer tous en regardant ensemble parallèlement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous le savons très bien que nous aurons régulièrement à recourir à la rue pour créer un rapport de force face au FCC qui se cramponne là, qui se cramponne à sa majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Nous ne pourrons contrebalancer cette force qui est dans la rue. Et dans la rue, il y a deux principales forces, l'UDPS et la Mouka. Et vraisemblablement, sur les questions majeures, nous pensons la même chose. Sans être ensemble, nous n'avons pas besoin d'être ensemble. C'est ça mon schéma. Il est clair. Et pour que je réfléchisse comme ça, il faut que Katumbi me donne l'argent. Qui te dit que ce que j'ai dit ici, Katumbi est totalement d'accord? Qui vous dit ça? Que seulement Escadel est totalement d'accord. Mais ça fait de vous. Et pour que je réfléchisse comme ça. Est-ce que ça ne fait pas de vous un indiscipliné? D'ailleurs, est-ce que ça ne fait pas de vous un indiscipliné? Oui, attends, je vais te dire une chose. J'ai entendu, et ça monte souvent, on dit que Moukeba est incontrôlable. Oui, dans une certaine mesure, indépendant d'esprit, bien affirmé de la part de Moukeba, et j'assume ça, mais je suis loyal aux idéaux. Je ne sors pas de la ligne. Le plus grand, c'est que si je sors de la ligne, à travers la ligne, les gens peuvent se mouvoir. Ne nous mettez pas comme dans une camisole de force au centre neuropsychopathologique là-bas. Non, ce n'est pas ça la démocratie. Il faut que ça bouge, il faut que ça respire. C'est ce que moi j'ai fait. Alors ceux qui ne veulent pas, qui ne sont pas d'accord, ils viennent ici ensemble. Nous pouvons nous rencontrer et tracer une voie. Et pour que j'aie ce schéma, je dois aller chez Félix, j'ai dit, moi je ne suis pas un soldat de rang pour aller recevoir des instructions, pour réfléchir par procuration. Moi, je ne réfléchis pas par procuration. Je dois être libre. Dans ma liberté, je rencontre d'autres libertés. Et ces libertés réunies sortent une mutualisation des schémas, une mutualisation des lignes à suivre. Alors, c'est quoi la signe? Ne me caporalisez pas, ne m'infantilisez pas, je ne me soumettrai pas. Très bien. Comment voyez-vous la logique de la synergie dont vous parlez? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui rapproche Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba? Il faut aujourd'hui... Comment ça se passe? Il faut aujourd'hui, le profil de ces hommes, c'est par exemple Fridolin Ambongo. Par exemple. Docteur Bokondo. Bokondo, on va dire qu'il est trop proche de on connaît ses affinités avec Martin Fayulu, c'est ça le problème. Oui. Ils sont quasiment amis, ils sont liés. Il y a trop de suspicions en politique, vous savez. Il faut que quelqu'un s'élève et qui jette des passerelles. Et quand je parle de ces passerelles... Et pourquoi vous n'attribuez pas Bemba Ambongo tout de suite? Vous dites? Pourquoi vous n'attribuez pas... Bon, si certains pensent Bemba Ambongo, bon, tant mieux, mais
de côté. Mais si on continue, si on continue ainsi, on risque ça va être compliqué. Il faudrait quand même un jour qu'on se mette d'accord autour d'un nom. Alors vous êtes en train de parler du profil de l'homme qui va mettre. Ouais, donc tu vois, qui est de ce genre d'homme qui prend même l'initiative de lui-même. Quand je l'ai dit, qui va nommer un bon à ce poste-là? Il n'y a pas un poste, c'est une mission de bon fils. Ils peuvent se mettre d'accord avec Bokundou et commencer. Il faut jeter des passerelles. Il faut poursuivre cet effort qui a commencé avec Bob Kabamba, avec Njoli, avec Sessana. Il faut poursuivre. Voilà ma compréhension du Congo. Aujourd'hui, elle est claire et limpide. Je n'ai pas besoin de recevoir 50 000 dollars de Félix pour réfléchir au Congo. Et tout ce que je ponds là, donc je l'ai pondu parce que Félix m'a donné 50 000. Très bien. C'est pourquoi je les ponds. Mais ça serait très facile. Revenons maintenant sur une autre, peut-être dernière question. Je vois que le moniteur me montre qu'il n'a pas. Et d'ailleurs, au finish, mon schéma profite à qui? À personne. Si ce n'est qu'au Congo. Parce que mon schéma, c'est d'arriver à des élections transparentes. Parlons la Mouka maintenant. Okay? Pour terminer. Parlons la Mouka pour terminer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des bons rapports entre Katumbi et Fayulu? On a comme l'impression qu'il y a une sorte de distance. Mais pas très bon, pas très bon, à cause de l'unilatéralisme de Fayulu. C'est chaque fois des initiatives prises. Pourquoi il le fait? Sans concertation avec les autres. Pourquoi il le fait? Bah, il pense qu'il est grand et qu'il n'a de compte à rendre à personne. C'est cela. Ce n'est pas la première fois qu'il irrite les autres sur des choses graves. Vous qui êtes si informé, comment Moïse Katumbi a pris la décision de Fayulu de mettre le président en accusation, entre guillemets? Mais non. Parce qu'il a réagi. Beaucoup le savent dans le milieu informé. Mmh. Et samedi dernier, ils ont parlé. Les autres ont dit, mais à la limite, faites-le en votre propre nom. C'est trop grave, ça. Faites-le en votre nom. Nous prendrons acte. C'est cela. C'est alors qu'on a compris que cherche Fayulu? Des élections anticipées. Dans les conditions actuelles, vous pouvez avoir des élections anticipées au Congo. C'est en fait ça ce qu'ils visent. Et l'FCC aurait dit qu'il pouvait encourager cette voie-là parce que Félix n'est pas correct avec l'FCC. Est-ce vrai, ça? C'est ça le grand problème. Élections anticipées, vous pouvez le savoir, les fichiers électoraux à lui seul, pour les confectionner, ça nous prend combien de temps? Alors, 8 mois, 10 mois, je voudrais... et les restes, mobilisation d'argent et tout. Et alors, donc, ça signifie que Tambo s'assoit, 2 mois fois 2, il fait 2 mois. Il n'a pas organisé les élections, 2 mois qu'on n'a pas organisé, les pays sombres dans le chaos. N'importe quel Kidam sort de je ne sais d'où, il dit je prends le pouvoir par la force. Et Bemba et Fayulu, sont-ils ensemble toujours? Disons, sont-ils en train de communiquer? Non, je ne pense pas, je t'ai dit que les deux se sont plaints. Ok. Mais bah, écoute, ils ne m'ont pas envoyé les dire, hein, c'est ce que je sais, et qu'ils m'excusent de les dire à leur place. Personne n'a fait de moi son porte-parole. Bon, librement, ce que je sais, je l'ai dit. Que c'est la dernière initiative. Ils l'ont très mal prise. J'avais envie de poser deux, trois petites questions pour terminer. Ça va être des questions qui n'ont rien à voir avec l'émission, mais des questions qui vont... Pas encore des choix entre 6 et 3. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas... Vous me demandez de choisir ma femme et mes enfants. Non, non. Non. Je voudrais savoir, quel est le rôle que Salomon Escadella joue dans ce pays, dans la Mouka 2 et aux côtés de Moïse Katumbi? Je vais commencer aux côtés de Moïse Katumbi. Oui. Ce que Salomon Escadella me permette, c'est vraiment un des hommes clés à côté du chef. Un des hommes clés. C'est quelque chose qu'il mérite. Il est avec les chefs depuis des décennies. Ils ont galéré ensemble. Les années de plomb, ils les ont passées ensemble. L'exil avant le retour, ainsi de suite. C'est un long chemin. C'est des galons qu'il a acquis. Donc un homme loyal. En se montrant loyal. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres. Hein. Je ne veux pas parler d'eux. C'est des hommes de l'homme qui ne demandent pas à être exposés à la lumière du jour. Alors, au pays. Il a joué, Salomon a joué un très grand rôle. Parce qu'en fait, c'est un homme clé. C'est carrément comme une charnière entre Moïse Katumbi et à l'époque tous les autres opposants. Hein, beaucoup sont passés par lui, ils le savent. Beaucoup, pour diverses raisons et tout ça. Il a joué de grands rôles dans ces pays, les gens ne le savent pas. Genval, les gens ne savent pas combien, il s'est activé pour qu'on arrive à Genval. Les grandes rencontres de l'opposition, hein, les travaux préliminaires pour amener les gens à ceci ou à cela, formidable. Au niveau de la Mouka, très peu d'influence, parce que vous savez ce qu'est la Mouka, c'est une présidence rotative. Et quand vous y arrivez, vous n'avez que des actions hein, à entreprendre. Donc, la Mouka, ce n'est pas un mouvement avec des structures et où des gens ont vraiment des rôles précis. Hein? Donc, je ne peux pas dire qu'il a un rôle particulier, mais il en a
en tout cas au niveau d'ensemble pour la République. Bon, sa force, c'est que c'est un homme effacé. Les gens les disent souvent à Kinshasa pendant qu'il n'y est pas. Certains ont dit que ce que j'ai fait, c'est lui qui a amené l'argent de Katumbi ici. Ça fait une année et demie que je soutiens à bras le corps Fayoulou. Katumbi n'avait pas pensé le déstabiliser par moi. Une année que je me dépense, que je suis frappé d'ostracisme du côté d'ensemble pour la République. Puisqu'il y a l'argent là-bas que tout le monde le sait. Les seuls qui ne le savaient pas depuis 2019, c'est moi. Pour aller le chercher. Très bien. Donc c'est maintenant là que Katumbi décide, dit c'est maintenant. Et il me donne l'argent. C'était pas en juin, en septembre. Là, j'avais pas envie de l'argent de Katumbi. Et c'est maintenant. Et le pauvre Salomon est vilipendé, c'est lui qui a amené l'argent. Pour qu'on m'envoie l'argent du Katanga jusqu'ici, il faut que Salomon fasse des déplacements. Deuxième question. Attends un peu. Je 5, 10 000, 50 000, 100 000. Arrête de donner le montant. Mais pour qu'on m'envoie ça, Salomon doit quitter Mbashi pour venir jusqu'ici. Je vous relance. Et pourquoi pas le contraire? Pourquoi moi, je n'irai pas là-bas? Je ne vous relancerai pas sur la question. Deuxième question. Est-ce que vous êtes ministrable aujourd'hui? Pressenti ministre dans le prochain remaniement de... Si, moi. Oui. Le gouvernement. Dans le gouvernement? Oui. Ma mère est morte en 2016. Sur la tombe de ma mère. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le gouvernement? Et si on vous nomme, vous allez refuser? Celui qui me nomme, là, s'en prendra à lui-même. Vous allez décliner? Je décline. Très bien. Je décline automatiquement sur la tombe de ma mère. Vous savez que Moretti a dit ça aussi en France. Hein? Mais je t'ai dit ça. Jamais être président, il n'a jamais être ministre. Attends. Et puis après, bon, la vie est dynamique. Attends, hein? Attends, je vais te dire. Oui. Ça, c'est Moretti. Ici, tu es Mukebayi. Si je ne suis pas ministre demain, tu penses que je ne deviendrai plus jamais? Tu ne penses que la Mouka un jour ne pourra pas conquérir le pouvoir ou ensemble pour la République? Donc il faut devenir ministre maintenant? Mais dans le cadre, dans le cadre d'une. Attends, je te réponds. Ouais. Donc si je ne deviens pas ministre maintenant, je ne les deviendrai plus jamais. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis ceci. Katumbi et Félix Tshisekedi que vous appelez au rapprochement. Aujourd'hui, ils se rapprochent. Par exemple, ils se rapprochent. Ils se mettent ensemble. Et dans le cadre de bons rapports, on dit, bon, vous avez deux ministères, trois ministères. Et M. Katumbi estime que c'est vous le porteur, c'est vous qui allez porter la voix. Vous dites non, vous déclinez. Il enverra quelqu'un d'autre là-bas. Très bien. Je termine par te dire, ouais, le travail que je suis en train de faire à l'Assemblée provinciale est passionnant et me tient à cœur. C'est formidable. Vous n'avez toujours pas de bon rapport avec le président, le bureau. Non. Vous avez arrangé vos rapports. Non, bon. Le président Godin m'a mis dans des commissions d'enquête dans lesquelles je suis en train de travailler. Ah, mais non, vous êtes bien. C'est pourquoi d'ailleurs les Kinois disent Nicolas Zobaté, mais je suis sur le terrain. Vous êtes même allé rendre visite lorsqu'il était perdu. Il m'a rendu. Il m'a renvoyé l'ascenseur quand j'ai perdu ma cousine adorée Fanny Bolombo Niamolé. Alors, ce travail est passionnant. Travailler pour les Kinois. Est-ce que tu comprends? Si j'entre aujourd'hui dans un gouvernement, je ne pourrais plus faire ce travail-là. Très bien. J'ai envie d'achever ce travail. Tu vois, là où les gens me minimisent, là, petit député provincial, là, c'est là que je me sens merveilleusement bien. Et c'est là qu'on termine la question. Bah, voilà. Et tu comprends? Et en 2023, là, les résultats que j'aurai obtenus, ça, je vais leur mettre ça là, comme du sucre sur la langue. Regardez vous qui m'insultez, petit député provincial. Regardez ce que j'ai fait pour les Kinois. On va terminer par là. Quels sont vos rapports avec Daniel Safou? Très exécrable. Je commence par présenter des excuses à sa femme. Beaucoup m'ont interpellé, à commencer par Peter Tiani. J'étais très énervé. Il en avait fait trop. C'était pas la première fois. Par le passé, il a eu à m'attaquer et aligner des gens contre moi. J'avais jamais répondu. Ça n'était trop cette fois-ci. J'avais craqué. Je suis allé vraiment à l'extrême, je m'en excuse, surtout vis-à-vis des Congolais. Ça a été trop dur, mes propos étaient très durs, je m'en excuse. Ok. Vous vous excusez auprès de sa femme, c'est ça? De sa femme. D'accord. Ouais. Des rapports exécrables entre lui et moi, mais je l'avais déjà dit et je le répète ici. Moi, je n'ai plus besoin de sa femme à côté de moi. Nous ne voyons pas le Congo de la même façon, je l'ai déjà dit. J'ai compris depuis que nous sommes députés que lui et moi, nous ne voyons pas le Congo de la même façon. Ça, c'est clair. C'est pas de l'inimitié. Mais je ne voudrais plus marcher avec... C'est de la distance. Mais... Oui, clair. C'est-à-dire que nous pouvons nous aimer et rester amis à distance. Ça, c'est vraiment clair. Je l'avais déjà dit, je l'ai redit au jour d'aujourd'hui. Nous n'avons pas la même vision du Congo. Nous ne partageons pas les mêmes idées. Et mieux encore, nous n'avons pas les mêmes fréquentations. Comment vous gérez les critiques sur Internet, les insultes? Contre moi, personne? Oui. D'abord, je vais dire aux gens. Donne-moi les secrets. Ouais, je vais te dire.
C'est moi, le genre là, qui m'attaque ainsi de suite. Je ne vous suis jamais. Mais pour que je ne sois pas en déphasage, on me fait juste un petit briefing. Je sais ce que tel, tel a dit. Je ne passe pas mon temps à suivre. Parce qu'il y a tellement des idioties, excuse-moi. Quelqu'un dit des choses et il y en a pour le prendre au sérieux. Tu sais, Internet, excusez-moi, hein, internaute. Internet a donné la parole, même au plus médiocre. Et ce qui est meilleur, c'est quoi? C'est que quand tu le points sur une idée, il s'enfuit pendant 2 mois. Et quand il revient avec la même arrogance. Ça n'est fini. Merci beaucoup, Mike Moukiba Nkoso. Je rappelle que ça a toujours été un grand plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau. Et tu sais combien moi j'ai du respect pour toi depuis toujours. Merci. Je l'ai toujours dit tout haut. Même si certains ont cherché à dramatiser une contradiction. Pour rien. Lui. En tout cas, pour rien du tout. Ouais, ouais, c'est une contradiction démocratique que j'ai toujours assumée. Donc, moi aussi, j'ai dit merci d'avoir pensé à moi. Merci. Quand tu m'offres ton plateau, je sais que j'ai atteint un très, très large public. J'ai eu beaucoup d'écho à la dernière émission. Donc, Inch'Allah, je te félicite dans ce combat que tu mènes. Donc, comme on dit, bon vent. On apprend de vous beaucoup, il faut le dire. On apprend beaucoup de vous, ça je peux le dire déjà. J'ai beaucoup appris de vous, beaucoup appris la, je veux dire, la manière de travailler, comme, la comme Ozi, toi, a dit de Kabila dans sa dernière interview, qu'il avait appris beaucoup de Kabila. Ah bon? Sa dernière interview dans Jeune Afrique. Il a appris beaucoup de Kabila. Il a appris beaucoup de Kabila. Ah, ok. On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux. On se retrouve. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Salut tout le monde, moi c'est Achille Boutungu. I do work for Unishow by AFH under Cedric aussi. Tozako faire appel na Bino, nyon sotou bozako la nanga siko. O azo vive na kati ya UK, ya Royaume-Uni seulement. Que tozako pe sa ba service, protection et assurance. Tozako pe sa assurance vie, life insurance. Eza ke soki moutouaza na bon moite, ba fouti yo mbongo. Mbongo bako futa yo, eza po na ko couvrir l'enterrement, pe dan souko tika héritage na ba na yo, et en même temps so zaki nandako, ozo waka na crédit, et koi pe ko futa ndako na yo. Toza sou na oto bengi living cost. Living cost eza li produit oyo, soki moutou abeli aza nandako, o salaka plus de 20 heures, yaka. Soko beli assurance ko futa yo mbongo, pendant ko zan nandako zo salate. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez na yo bien au foot laka, on go protéger ndako na yo to ko futa yo. To za sous na autre mais critical illness, assurance maladie. Tango moto, ozali sous na problème à santé, au beli sérieusement, l'assurance te paye. To za na ba témoignage de beli moto yo a futami parce que beli qui m'a dit critique. Na za juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde ko na biso Achille za ko sala. Tango likame zui biso et que maman santé dérangée. Maman baza na droit ko futa yo autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e singela ki par rapport na oyo biso to zo ak. Ke za aventure te e za vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, causez la tête na souka. Naza a pour na koede yom tozo landanga, oza na kati Angleterre, na Royaume-Uni.